Miroir magique, réponds à ma question. Qui est la plus belle du royaume? Oh, ma reine, d'abord, je vous le confirme, vous êtes bien belle. Mais pourtant, il y a déjà quelqu'un de plus belle que vous. Comment? Qui peut être si belle, voire plus belle que moi? Vous devriez la connaître. Elle s'appelle Lera. Elle travaille pour vous en tant que femme de ménage. Sa beauté est à l'image de sa douceur et de sa gentillesse. Léa, elle est plus belle que moi, à ce point-là? Et voilà, c'est terminé. J'ai passé 5 heures à nettoyer toute la cour du château. Voilà ce que je pourrais appeler un sacré chantier. Eh ben, ça par exemple. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon petit, hein? Le hasard fait bien les choses parfois. Même si j'aimerais bien qu'un certain hasard m'aiderait à exaucer mon rêve. On dit que si on lance une pièce dans une fontaine, notre vœu réalisera. Autant essayer. Tu dois sûrement te demander quel est mon vœu, hein. Vois-tu, un prince vient souvent me rendre visite. Et ne le dis à personne, mais j'ai envie de l'épouser. Lera, est-ce que t'es là? Prince Jonathan Jérémie? Oui, je suis là. Bonjour, Lera. Et puis, au fait, je te rappelle que tu peux m'appeler Jojo. Ah oui, désolée. Et sinon, comment tu vas ces derniers temps? Oh oui, je me suis amélioré en escrime et en équitation. Je rêve ou tu es devenue plus belle que la dernière fois? Vraiment? Tu sais, ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas vu et j'ai toujours été comme ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu es toujours aussi belle. Tu es vraiment la femme la plus magnifique que je connaisse. Eh ben, merci, mais c'est tout naturel chez moi. Et tu es modeste aussi. Honnêtement, tu as une personnalité qui fait tout ton charme. Je ne sais même pas qui peut être aussi belle, voire plus belle que toi. Il suffit! Il faut vraiment que j'emploie les grands moyens. Majesté, il est ici. Bien, faites-le entrer. Mes hommages, Majesté. Que puis-je faire pour vous? Votre mission est simple. Mon assistant vous passe le portrait de la cible que vous devez tuer. Vous voulez que je tue cette femme innocente? Tout à fait. Mais surtout, faites en sorte pour que ça ressemble à un accident. Et quand vous l'aurez tué, apportez-moi son cœur en guise de preuve. Mais faites attention. À la moindre erreur, vous serez exécuté.
Quelle chance de savoir que des fruits et des champignons comestibles poussent par ici. Mais lesquels choisir? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? T'es perdu? Attends, reste avec moi. Peut-être que tes parents ne sont pas loin. Ah tiens, c'est sûrement ta maman. Va la rejoindre. Au revoir et prenez soin de vous. Est devenue folle à cause de la jalousie et elle veut votre mort. Alors je vous en prie, mademoiselle, quittez vite ce château. Fuyez, fuyez tant qu'il en est encore temps. J'ai fait le meilleur choix. Tu te trompes. Même si cette femme serait très loin du château, elle ne sera jamais à l'abri de la mort. Et tu ne peux rien faire pour la protéger.